petite visite d'appartement, voir s'il y a peut-être des opportunités ici à saisir. Donc, tu vois, je te fais voir ça tout de suite. Alors, ça paye pas de mine, hein, forcément, mais il faut imaginer ça complètement retapé. Voilà, tout ça, faut retaper. Salle de bain également, faut tout refaire. Il y a une petite vue qui peut être sympa. Donc là, on se retrouve eh bien, dans notre appartement. Je vais faire ça tout de suite. Donc, comme je te disais, je vais essayer de voir un petit peu les différentes opportunités qui seraient à saisir. Donc, on est sur un appartement de 104 mètres carrés. Donc, il y a pas mal de boulot à faire. Mais voilà, tu vois un petit peu, là, c'est l'esprit Thai style. Hein. C'est vraiment. Il faut tout reprendre. Voilà, à chaque fois, chaque chambre a sa salle de bain privative. On a une grande pièce de vie juste ici. Donc ce qui est ouf par contre c'est la vue. Hein. La vue est juste incroyable. Voilà, et du coup on a une autre chambre ici. Voilà, et là pareil, une vue juste de fou quoi. Tac. Allez, on continue dans cette série donc du vlog. Là aujourd'hui, je me suis dans une nouvelle villa que j'ai eue. Donc là, je suis à Pattaya. Alors, je t'ai pas fait beaucoup de vidéos auparavant parce que je bouge beaucoup en ce moment, je fais beaucoup de choses. Donc j'essaie de partager ça un maximum avec toi, mais je peux pas tout le temps être sur ma caméra, bien évidemment, tu le comprends. Donc là, on se situe dans une nouvelle villa donc que j'ai louée, tout simplement parce qu'on va tourner donc des vidéos. Donc on va, voilà, on a réservé un lieu plutôt sympa. On va aussi en profiter pour passer un bon moment avec des amis. Donc je te partage un petit peu la villa, tu vas voir, c'est plutôt sympa. Et d'ailleurs, le propriétaire me disait, donc il loue ce Airbnb, et il me disait que c'est très compliqué en ce moment. Je crois qu'il a eu que 3 réservations depuis le début de l'année. Et donc du coup, on était à sa 3e réservation. Donc tu vois bien que c'est un peu compliqué en ce moment ce qui se passe ici. Par contre, ce que moi j'ai remarqué, c'est qu'à Bangkok, au contraire, les réservations ont tendance à plutôt reprendre, puisqu'on voit bien, il y a pas mal d'appartements qui sont pas mal réservés. Mais ici, sur Pattaya, c'est un petit peu moins. Donc là, je te fais voir tout de suite eh bien, les différentes... Enfin, je te fais découvrir la villa. Donc là, on a une première chambre. Voilà, avec une vue, puis un petit balcon sur directement la piscine. Donc tout ça c'est privatif, hein, bien évidemment. Voilà, là c'est très sympa vue sur le living room. Voilà, salut les potes, ça va? Salut. Alors, vous serez sur le prochain, vous serez sur le prochain vlog. Ouais, parce que la même. Là, on est donc sur une deuxième chambre avec à chaque fois, bien évidemment, la petite salle de bain privative, puisqu'on est en Thaïlande. Voilà, on arrive ensuite sur la troisième chambre. C'est vraiment incroyable. Voilà. Tac. Allez, on va descendre. Juste incroyable cet escalier. Voilà. Tac. On arrive sur. On va attaquer. Hein. Ouais, finalement, vous avez pris plus de temps avec le taxi. C'était un peu plus long que prévu. Il ne trouvait peut-être pas, c'est ça? Ouais, là. Là, on arrive sur une pièce qui fait office de chambre, mais qui fait aussi office de. Voilà, de lieu détente hein, avec pour faire un petit peu de billard. Et puis là, du coup, on arrive sur l'espace juste incroyable. Voilà, et ça, c'est loué quelque chose comme... Tom, c'est loué combien? 250, ça? Ouais, je crois 250 euros la nuit. Ce qui est juste pas cher du tout hein, au regard des prestations proposées. Ah oui, si, ce que je t'ai pas dit, c'est que là, il y a une autre chambre qui est juste ici. Voilà. Autre chambre.
chambre avec la petite salle de bain privative. Et là, on arrive sur eh bien, la cuisine. Énorme cuisine. Voilà. Voilà, j'essaierai de te livrer d'autres vidéos prochainement. Allez, on se retrouve dans cette nouvelle partie de ce vlog. Donc hier, je te présentais bien, le lieu un petit peu insolite, villa que j'ai donc réservé donc pour mon activité. Et du coup, je voulais te la présenter. Je vais te présenter aussi également ce que je viens de me faire livrer, eh bien, un véhicule. Alors, tu le sais, dans l'immobilier, l'objectif, hein, c'est absolument de construire son patrimoine, de construire son capital et absolument pas de placer de l'argent, si on peut dire ça comme ça, dans des passifs et notamment les véhicules de sport, etc. L'idée, c'est vraiment de faire fructifier son argent un maximum et après, par contre, te faire plaisir, comme là aujourd'hui, je me fais plaisir sur le week-end. L'idée, c'est tout simplement de profiter aussi de la vie, hein, parce que travailler c'est bien, gagner l'argent c'est bien, mais comme tu le sais, en profiter c'est bien également. Et donc c'est l'idée aujourd'hui. Moi je suis quelqu'un qui aime bien les belles voitures, donc je vais te faire voir un petit peu ce que j'ai reçu. Mais loin de moi l'idée de m'acheter ce type de véhicule, sauf peut-être si un jour j'étais archi millionnaire ou milliardaire, où là effectivement tu as les moyens de s'acheter ce type de véhicule, mais à mon sens ce n'est pas du tout utile aujourd'hui. L'idée c'est plutôt de faire fructifier ton argent et par contre te faire plaisir quand tu as besoin. Moi j'ai des véhicules qui me conviennent très très bien dans ma ville, qui sont déjà des véhicules plutôt haut de gamme. Là, on est vraiment sur un level complètement au-dessus, parce qu'on est sur un supercar, je vais te la faire voir juste après. Mais l'idée, c'est aussi qu'à un moment donné, on puisse en profiter, hein, de la vie. C'est que voilà, sur de petits plaisirs, ce que tu gagnes au quotidien, ce que tu as mis en place, les actifs que tu as mis en place vont te permettre petit à petit, eh bien, voilà, de te faire des petits kiffs comme ça. Alors moi, ça c'est mon kiff, toi, ça peut être certainement autre chose. Moi j'aime voyager, j'aime les belles voitures, j'aime les belles choses bien évidemment. Et donc l'idée, c'est de temps en temps céder entre guillemets et pour le coup, eh bien, à non pas acheter mais plutôt louer des services et sur lesquels je vais pouvoir me faire plaisir. D'autres, ça sera totalement autre chose. Moi c'est vraiment sur ça. Donc là aujourd'hui, je vais te faire voir déjà la villa, tu l'avais vu hier. Et je vais te je te l'aurais fait voir un petit peu plus en détail ici. Mais je vais surtout te faire voir, eh bien, le petit joujou que je me suis loué sur un week-end juste après. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de se créer des passifs et d'acheter ce genre de véhicule qui coûte excessivement cher, mais c'est plutôt de savoir par contre en profiter et de tout simplement profiter de la vie et se faire plaisir avec l'argent qu'on a. Voilà. Avec l'argent qu'on gagne tous les mois, et bien c'est ce genre de service qu'on est capable de se payer. Donc voilà, tu vois, je voulais te la faire voir un petit peu, tu vois, à l'intérieur rapidement. Parce que je sais que j'ai toujours des choses qui plaisent, les belles voitures, surtout pour messieurs, les hommes. Donc, tu vois, on voit que c'est loué puisqu'il y a encore le petit plastique. D'ailleurs, on va pouvoir le retirer. Et voilà, tac, ça c'est fait. Voilà, donc, tu vois, beau véhicule de sport. Et c'est quelque chose que je vais pouvoir profiter. Donc l'idée les amis, hein, c'est vraiment ça, c'est constituez-vous des actifs. Donc les actifs c'est quoi? On en a notamment grâce à l'immobilier, hein, donc l'investissement locatif, mais aussi tout ce qui est eh bien, lié à l'entrepreneuriat. Et notamment la sous-location, la conciergerie d'appartement, tu le sais, j'en parle énormément, et puis tout type d'entreprise. Mais c'est vrai que ces activités-là sont très proches de l'immobilier, on le sait, on peut vraiment démarrer de zéro. Comme moi, j'ai pu démarrer de zéro, et tu vois, aujourd'hui, je suis capable de profiter de la vie et me faire vraiment plaisir, ce qui n'était pas le cas à un moment donné de ma vie. Puisque tu le sais, si tu connais un petit peu mon histoire, ça a été à un moment donné assez compliqué pour moi. J'ai su rebondir et aujourd'hui, j'ai la possibilité d'accéder à ce genre de petits joujoux pour quelques jours. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Et concentre-toi sur ton activité, crée-toi des actifs dans un premier temps et les actifs vont te permettre par la suite d'accéder à ce genre de jouets et te faire plaisir par la suite si tu le souhaites. Voilà. Bon allez, là on se retrouve, eh bien, donc on va aller faire un tour sur Pattaya. Et puis on va profiter aussi pour découvrir un petit peu la région, on va aller se prendre une glace, etc. Allez, je t'emmène avec moi à te découvrir un petit peu tout ça. Quand tu
Matin, il n'y a pas trop de monde, c'est calme, pas trop chaud, il doit faire 30 degrés quand même, mais c'est plutôt top. Voilà, je partage ça avec toi tout simplement et c'est le petit moment que vraiment que j'apprécie. Allez, on se retrouve dans cette nouvelle partie du vlog. Alors du coup, je me situe dans une villa. Alors là, je vais la quitter aujourd'hui. Je suis resté une semaine, mais je voulais quand même te la présenter, que tu vois un petit peu ce qu'on est capable de faire. Et surtout, notamment par rapport à la création d'expériences. Moi ici, quand je suis venu, j'ai loué cette villa parce que déjà le prix a été négocié, a été plutôt cohérent, enfin, était plutôt intéressant même. Mais c'est surtout qu'il y avait une création, d'une expérience. Hein, c'est-à-dire que tu vas voir, la décoration est vraiment particulière et puis les équipements aussi. Et d'ailleurs, si toi aussi, dans ton logement, tu souhaites créer une expérience, eh bien, sache que je t'ai prévu une formation gratuite à télécharger tout en bas de cette vidéo. Tu récupéreras une formation gratuite où justement, je t'explique comment créer une expérience, mais surtout, quels sont les avantages. Et les avantages sont surtout pécuniers, puisque très clairement aujourd'hui, si tu veux performer dans la location courte durée, tu veux te détacher de la concurrence, tu veux vraiment avoir un produit unique, sur lequel tu vas pouvoir avoir une rentabilité bien plus intéressante si tu es en investissement locatif ou aussi bien en sous-location, c'est possible aussi, eh bien ça passe par l'expérience. Donc c'est pour ça que je t'ai préparé eh bien une formation gratuite où je t'explique ça beaucoup plus en détail et tu récupères ça dans la partie commentaires. Et donc là justement, on est dans une expérience et je vais te faire voir ça tout de suite. Donc là du coup, on est sur l'espace extérieur avec la piscine. Voilà, donc là effectivement c'est quand même plutôt sympa. Et après le truc c'est que c'est vraiment une décoration particulière. Alors là je suis en Thaïlande bien évidemment, donc forcément, mais on peut très bien imaginer une décoration, tu vois, c'est vraiment, enfin ça c'est juste incroyable, beaucoup d'éléments de décoration, beaucoup tu vois, ici tu te sens vraiment à la maison quoi. Alors ce qui est juste incroyable c'est qu'il y a un ascenseur. Une cuisine full équipée, hein, très clairement. Voilà, et puis je te laisse prendre connaissance de la décoration. Tu vois, tout a été soigné. Et ça, c'est sûr que c'est... Alors, c'est pas fini, hein, bien évidemment. Je vais te faire voir. Voilà. Alors, on est sur une townhouse où il y a 3 étages. Donc, il y a pas mal de chambres. Hop. Alors, attends, je vais te faire voir ça tout de suite. Désolé, j'avais éteint la lumière, d'ailleurs je vais la rallumer. Hop. Voilà, tu vois là, on est vraiment sur quelque chose de... Pouf, juste exceptionnel quoi. Voilà. Là on a une chambre. Donc chaque chambre a une atmosphère particulière. D'accord. Voilà. On arrive sur une autre chambre. Pareil. C'est juste incroyable. Voilà. Puis voilà, c'est pareil aussi. Hein. Donc il y a vraiment des choses à s'inspirer. Hein. En termes créatifs, et là on est vraiment sur une création d'expérience. Là tu viens ici, tu vois, tu loues pas une simple villa classique. Tu loues une villa avec une décoration. Moi, très clairement, c'est pour ça que je l'ai loué, hein, parce qu'il y avait vraiment quelque chose de particulier ici.
Et je voulais pas une villa classique. Voilà. Autre chose donc, dans la création d'expérience, et j'en parle beaucoup, c'est les baignoires balnéo. Là, tu en as une ici. Voilà. Donc là, il y en a deux dans cette villa. Donc baigneur balnéo fait partie des créations d'expérience. Et j'en parle justement dans ma formation gratuite. Hop. Alors, il y a une autre chambre, je ne te l'ai pas fait voir, mais bon. On va accélérer un petit peu. Parce que là, je dois faire mon check-out dans pas longtemps. Et je pars sur une autre villa. Voilà, et donc là, on arrive ici. Aujourd'hui, il fait pas trop chaud d'ailleurs. Il n'y a pas trop de soleil. Voilà. Donc là, ici, tu fais le barbecue. Tu fais les soirées avec les copains. Puis mais le truc qui est juste incroyable, c'est la vue, bien évidemment. Le jacuzzi extérieur. Puis la vue, quoi. Voilà. Un calme absolu. Ici en haut, tu as un point de vue. Si tu veux, tu as carrément, tu peux monter. En fait, tu as un point de vue. Voilà. Donc là, tu vois, c'est juste exceptionnel. Voilà. Donc, du coup, tu comprends un petit peu le principe de la création d'expérience. Au-delà d'avoir une villa sympa, ici, on a une décoration qui est particulière. Et c'est ce qui fait que le voyageur est prêt à payer plus cher dans ton logement. Mais il y a plein d'autres astuces, donc c'est pour ça qu'on en parle beaucoup plus dans cette formation gratuite. Allez, je te laisse, je pars sur ma prochaine destination. Allez, on vient d'atterrir de retour donc de Phuket et on est sur Bangkok. Voilà, donc là du coup, eh bien, on est sur la dernière partie de ce vlog. Alors, ça a été un mois un petit peu particulier puisque tu le sais, j'étais donc parti à l'étranger. Donc c'est vrai que c'est un mois où j'ai vraiment surveillé mon business. J'étais plutôt en mode observation, plutôt en mode pilotage finalement, pas du tout en mode alors créatif si sur d'autres aspects notamment puisque j'ai lancé une nouvelle formation sur la création d'expérience dans ces appartements. D'ailleurs, tu découvriras ça, je te mettrai ça dans la partie description. Si tu veux récupérer une formation gratuite sur la création d'expérience dans tes appartements location courte durée, c'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est comment finalement doubler ton chiffre d'affaires dans tes locations courte durée grâce à la création d'expérience, eh bien, je t'ai préparé une formation. Donc, tu vois, j'ai bossé pas mal là-dessus, j'ai pas mal de choses et tout, mais c'est vrai que par rapport à mon business d'investissement locatif, de conciergerie, de sous-location, j'étais plus en mode pilotage, en mode voilà, gestion de projet, gestion de ma société. Donc là, du coup, je vais rentrer donc, en France. Alors, pour tout un tas de raisons, des raisons surtout personnelles, puisque j'ai des enfants, etc., bien évidemment. Mais c'est aussi parce que j'ai deux projets professionnels, deux actions précises professionnelles que je dois concrétiser donc là dans les prochaines semaines, prochains mois. Notamment un investissement locatif, puisque pendant que j'étais ici, eh bien, j'avais signé par procuration l'acquisition donc d'un appartement, un T3. Ça faisait quelques mois que j'étais déjà dessus, et là, ça s'est concrétisé, c'est finalisé. Donc là, du coup, je suis propriétaire, tout est OK. Et là, on va enchaîner. D'ailleurs, donc j'atterris demain, et après-demain, j'ai rendez-vous avec les artisans, et donc on va démarrer le lancement du projet. Donc ça, c'était important. Sur la conciergerie, tu vois, c'était plutôt cool, hein. Il s'est passé plein de choses puisqu'il y a des nouveaux appartements qui sont rentrés. On a rentré 9 nouveaux appartements. Donc c'est belle évolution. On a des sous-locations aussi en cours qui vont peut-être rentrer très prochainement. Je suis aussi toujours en prospection d'investissement éventuellement immobilier, hein, bien évidemment, tu le sais. Là aujourd'hui, on est le début du mois, donc comme tu le sais, c'est moi qui m'occupe de la facturation.
Donc, tu vois concrètement comment ça se passe. Bah voilà, du coup, j'ai tout simplement ma facturation ici à partir de mes fichiers Excel. Et c'est ce qui me permet eh bien, de facturer donc, mes clients. Alors là, on en a de plus en plus. Donc je pense qu'à terme, soit je vais automatiser cette partie-là, mettre en place des process automatiques, ce qui me semble tout à fait possible. Parce que c'est encore fait à la main, entre guillemets. Enfin, il y a une partie manuelle. C'est pas très long, mais ça prend quand même plusieurs heures le temps de facturer tous mes clients. Ou bien sinon, carrément, je le déléguerai eh bien, à une personne. Ça, du coup, ça sera fait en temps et en heure, puisque là, je tourne cette vidéo, on est le 6 avril, et tu vois, je suis encore en train de terminer mes tableaux de bord, notamment de ma société de conciergerie, très important, tableau de bord, pour voir un petit peu où on en est, est-ce qu'on a gagné de l'argent, est-ce qu'on a perdu, si oui, combien, enfin, quand même, voilà. L'idée, c'est d'avoir vraiment une visibilité sur son business mois par mois. Donc, il s'est passé pas mal de choses, franchement, ça a bien, bien avancé. Donc là, je vais rentrer, mode détendu, puisqu'il n'y a pas de gros chantiers, en fait, qui nécessitent mon intervention. Mais j'ai quand même deux projets professionnels, dont un lié à la rénovation d'un de mes appartements. Ça aura pu se faire à distance, bien évidemment, mais c'est vrai que j'aime bien quand même surveiller ce qui va se passer. Mais c'est surtout aussi que j'en avais un autre en tête, et puis aussi pour des raisons personnelles, bien évidemment, pour du coup revoir mes enfants, ce qui est super important, et du coup c'est pour ça que je vais rentrer. Je referai bien évidemment des vlogs, hein. Donc, ce mois-ci, le mois d'avril, je pense que tu verras plutôt des sur les appartements, on va retourner un petit peu plus dans le concret, que tu puisses un petit peu suivre ce que je fais, ce que je mets en place, où j'en suis, etc. Donc nous, on a repensé complètement la conciergerie. Donc aujourd'hui, on a un petit peu moins de salariés, on a un peu plus d'auto-entrepreneurs, on a revu aussi notre organisation. Donc c'est ça qui est important. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a eu une ascension assez rapide, puisqu'aujourd'hui, on a, je crois, 75 appartements, quelque chose comme ça. Et donc, on a eu une ascension vraiment fulgurante. Et c'est vrai qu'en termes d'organisation, ça chamboule énormément. Il y a beaucoup de changements et du coup, ça peut créer des variations, des perturbations, on va dire, des perturbations d'entreprise. Donc, c'est pour ça que on a besoin d'arriver maintenant à un stade voilà, où on est à peu près stable. On rend quelques appartements, mais parce qu'on est sollicité tous les jours, en fait. Tous les jours, on est sollicité pour de la gestion d'appartement. Donc, c'est du travail, hein. C'est vraiment du boulot en conciergerie. Mais c'est passionnant aussi. On fait des belles rencontres au quotidien. Donc ça, moi, je trouve ça intéressant. Et nous aussi, on est là pour évoluer. Et même sur un plan entrepreneurial, c'est intéressant parce qu'il faut mettre en place des process de bon fonctionnement de ton entreprise. Parce que quand tu arrives à approcher petit à petit la centaine d'appartements, il faut quand même être organisé et là il y a intérêt à faire très attention parce que c'est quand même beaucoup de travail, mais il faut aussi surveiller sa trésorerie, il faut surveiller aussi sa rentabilité parce que c'est très facile d'embaucher, mais après derrière est-ce qu'on a la capacité financière à les assumer, ça c'est autre chose. Donc tu vois, ça fait partie du plan de développement d'une entreprise, donc ça c'est aussi très intéressant. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur ce vlog. Donc on a terminé, t'as vu ce qui s'est passé, bah, t'as surtout vu du lifestyle, etc. Il n'y a pas forcément beaucoup d'informations très pertinentes, mais comme tu le sais, je fais un vlog chaque mois. Donc bah, tout simplement, je te donne rendez-vous le mois prochain. N'hésite pas à lâcher le gros pouce bleu si ce vlog t'a plu, à t'abonner à cette chaîne YouTube si c'était la première fois que t'arrivais. Et tout simplement, bah, n'hésite pas à commenter si tu as des questions ou autres. Et si tu souhaites toi aussi monter un business comme le mien de sous-location et de conciergerie d'appartement. Sur ce, je te quitte, je te dis à très bientôt. Ciao.